لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم mes frères et sœurs. J'ai aujourd'hui la joie de vous faire profiter de la récitation d'une sourate éminente ainsi que de son exégèse, c'est-à-dire de son explication en français. Il s'agit de Sourate Al-Qad qui concerne donc la meilleure des nuits, la nuit de Laylat Al-Qad qui n'a lieu qu'une fois par an durant le mois béni de Ramadan. Ainsi, Allah Ta'ala dit dans cette sourate du livre du Coran honoré A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Inna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Je vais maintenant vous donner l'explication de ces ayats honorées. بسم الله الرحمن الرحيم. Cette ayah signifie par le nom de Allah Ar-Rahman, celui qui est très miséricordieux envers les non-croyants dans ce bas monde et qui est très miséricordieux envers les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahim, celui qui est très miséricordieux envers les croyants. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Cette ayah a pour sens certes, nous l'avons descendu, c'est-à-dire le Coran, durant la nuit de Al-Qadr. En effet, le livre du Coran fut descendu par l'ange Gabriel, Jibril, durant la 24e nuit du mois de Ramadan. Entièrement, en une seule fois, durant la nuit de Al-Qadr, à partir de la table préservée, Al-Lawhul Mahfouz, jusqu'à un endroit appelé Bayt al-Izza, la demeure de la gloire. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Cette ayah signifie « Et que sais-tu, ô Muhammad, de ce qu'est la nuit de Al-Qadr ? Ceci est une marque d'honneur à l'égard de cette nuit pour indiquer son importance. » Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Cette ayah a pour sens la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 1000 mois qui ne la contiennent pas. La récompense des actes réalisés durant cette nuit est multipliée. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Cette ayah signifie les anges descendent ainsi que Ar-Ruh, il s'agit de Jibril, durant la nuit de Al-Qadr, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et l'aube, par la volonté de leur Seigneur avec toute chose qui leur donne et destine jusqu'à l'année suivante. سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette ayah, qui est la dernière ayah de Sourate Al-Qadr, signifie elle, c'est-à-dire la nuit de Al-Qadr, est paix et félicité jusqu'à la levée de l'aube. En espérant vous avoir été profitable, j'invoque Allah afin qu'il nous accorde la science du Coran ainsi que sa compréhension. Que Allah nous accorde d'être de ceux à qui il accorde la vision de Laylat Al-Qadr. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم والسلام عليكم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين نور بها قبورنا يا الله
نجنا بنور.